Match en retard de la première journée à la Mosson entre Montpellier et Lyon. Les Héroltais sortent d'une prestation convaincante contre Nice avec un succès 3-1. L'OL décevant à Bordeaux n'a pas pu faire mieux que le nul 0-0 malgré une certaine domination. Rudy Garcia repense justement son secteur offensif ce soir. Depay et Dembélé sont remplaçants. Première titularisation de l'ancien Havrais, meilleur buteur de Ligue 2 BKT, Tino Kadewere. Le Zimbabwéen est associé à Karl Toko Ekambi en attaque. Et c'est justement Karl Toko Ekambi qui va se procurer la première chaude occasion. Le travail de Maxwell Cornet. Toko Ekambi vient couper. Et c'est le poteau de Omlin qui repousse la tentative de l'ancien Angevin. Montpellier va réagir derrière avec ce centre et la tête d'Andy Delors. C'est repoussé par Anthony Lopez et derrière, malgré le but grand ouvert, Andy Delors ne parvient pas à cadrer au plus grand désarroi de Michel Derzakarian. Mais ces hommes sont clairement montés d'un ton et vont obtenir un pénalty à la 38e minute suite à cette faute de Léo Dubois sur TJ Savanier. C'est l'ancien Nîmois qui va se faire justice avec une superbe Panenka devant Anthony Lopez. Ça fait 1-0 pour Montpellier. Il est à 100% dans l'exercice du pénalty. TJ Savanier, 7 sur 7. L'OL va tenter de réagir, mais de manière un petit peu désordonnée. Il va perdre un petit peu ses nerfs à l'image de cette semelle un petit peu inutile. Doucet Mawar, dans un premier temps, Monsieur Le Texier sort un carton jaune pour le capitaine lyonnais, mais avec l'aide de la vidéo, se ravise et sort le carton rouge pour Oussem Aouar. Montpellier n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs de championnat contre Lyon. Le dernier succès en date, c'était la saison passée avec un but sensationnel d'Arnaud Souquet. Et pour l'instant, tous les éléments sont favorables au Payadin qui mène 1-0 à la pause et évolue donc en supériorité numérique. Et ça va bien se poursuivre pour les hommes de Derzakarian qui vont doubler la mise par l'intermédiaire de TJ Savanier. Doublé donc pour le numéro 10 montpelliérain qui était un temps sur les tablettes de l'OL. Le contrôle et la frappe enchaînée au plus grand âme de Rudy Garcia qui a effectué des changements au cours de cette deuxième période avec Jean-Lucas, Depay, Barre ou encore Cherki qui est déséquilibré à 10 minutes de la fin dans la surface de réparation par Vittorino Hilton. Une faute un petit peu de débutant de Vittorino Hilton, lui qui vient de fêter ses 43 ans. Monsieur Le Texier désigne pour la deuxième fois de la soirée le point de pénalty et sort pour la deuxième fois de la soirée le carton rouge. Le pénalty est transformé par Memphis Depay. Son quatrième but, troisième pénalty transformé depuis le début de la saison pour le Néerlandais, dont le feuilleton d'un éventuel départ au Barça est toujours d'actualité. On va en rester là. Montpellier enchaîne, s'impose 2-1 et compte 6 points. L'OL en a 2 de moins avec ce premier revers de la saison.